Voilà, mais je pense qu'on va pouvoir commencer. La plupart de, des personnes qui souhaitaient assister à la conférence sont désormais dans la salle. Je vous remercie vraiment d'être venus nombreuses et nombreux ce soir pour cette conférence un peu particulière. Je voulais aussi remercier bien sûr Emmanuel Droit, notre conférencier, de, de, de s'être prêté à ce jeu de, de, du duplex finalement de, de, depuis Strasbourg. Comme vous le savez, demain c'est une journée de grève importante. Il nous était difficilement possible de faire venir un intervenant sans qu'il ait la possibilité de rentrer chez lui ensuite le lendemain. Voilà, donc c'est pour ça que Emmanuel Droit a gentiment accepté de donner cette conférence par vidéo interposée et je l'en remercie. Alors, quelques mots de présentation, bien sûr. Emmanuel Droit est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Il enseigne également... Euh, à Sciences Po Strasbourg, il est spécialiste de, de l'Allemagne contemporaine, bien entendu, spécialiste aussi des politiques, euh, enfin de, des polices politiques, euh, et notamment de la Stasi, auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Il a également sorti euh, récemment, en 2020, un ouvrage qui s'intitule 24 heures de la vie en RDA que vous voyez à l'image actuellement et euh, il nous a paru vraiment intéressant. De revenir sur cette histoire, euh, peut-être pas très bien connue. On a quelques images, bien sûr, euh, importantes de la RDA, que ce soit le mur, euh, la chute du mur, euh, les, les voitures, les trabans, les files d'attente, etc. Mais finalement, de ce quotidien des citoyens est-allemands, au jour le jour, en RDA, on ne sait que peu de choses. Et donc, c'est pour ça que ça nous a paru intéressant de revenir sur cette histoire. Voilà. Euh, je lui laisse la parole. Pour la conférence, sachant que on a aussi quelques exemplaires du livre qui seront en vente à l'issue de la conférence, et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup à Emmanuel Droit et merci à vous. Merci beaucoup pour euh, ces quelques mots d'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis tout d'abord euh, à la fois euh, désolé, et frustré de de ne pas être euh, dans cette belle ville de, de Pessac et dans ce, ce beau cinéma que j'ai eu l'occasion euh, de, de fréquenter euh, à l'occasion du, euh, du, du Festival euh, de Pessac il y a quelques années, lorsque la, la, la thématique euh, était consacrée au, au, au communisme. Euh, frustré parce que euh, je, je suis en, en duplex de, de Strasbourg. C'est vrai que c'était difficile pour moi de, de, de rester sur place euh, avec le, le, le blocage potentiel demain, tout simplement parce que j'ai cours en fait, à, à, à 14h demain et que... Euh, je ne voulais pas en fait euh, euh, renoncer à ces heures de cours aussi pour mes, pour mes étudiants dans un, un, un semestre qui est toujours serré euh, sur le plan universitaire. Alors la, la conférence que je vais vous proposer ce soir euh, s'intercale en fait entre euh, deux films euh, qui sont à, à mon avis aux, aux antipodes de, de la manière de, de saisir ce qu'a pu être l'expérience du quotidien en RDA. La, la, la séance qui a précédé euh, ma conférence... Euh, euh, porté évidemment sur ce, ce quotidien oppressant incarné par l'Astasie dans la, la vie des autres, avec cette culture de la, de la méfiance. Et puis, euh, je pense que vous connaissez ce film, vous l'avez vu, cette, euh, cette hégémonie euh, de, du gris dans le, le, le film, euh, avec ce, ce message humaniste euh, sur euh, la transformation de cet officier euh, tchéquiste. Euh, et puis, euh, ma conférence... Euh, 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 en fait, euh, à ma conférence suivra donc euh, le, le film Barbara, qui est à mon avis le, le film, le, le plus beau film en fait que, que la, la, la production cinématographique allemande ou internationale ait produit sur, sur la RDA depuis le, le début des années 90, pas tant euh, euh, par euh, le, le, la dimension, euh, euh, comment dire euh, fidèle parce que ça reste, ça reste une, une représentation euh, euh, mais c'est peut-être la, la représentation la plus juste euh, dans le sens où euh, Christian Petzold a certainement euh, su le mieux comprendre euh, ce qu'était ce quotidien euh, en, en RDA, cette normalité entre guillemets du euh, communisme au, euh, au quotidien. Euh, alors le, le but de, mon, de ma conférence notamment... Euh, en partie à, à partir de, de, de mon expérience de recherche, de, des travaux que j'ai pu effectuer depuis une quinzaine d'années sur euh, ce petit pays, euh, qui est un petit pays de 100 000 km, 16 à 17 millions d'habitants. Euh, C'est un pays qui euh, continue à, à, à fasciner, à intéresser à, à la fois euh, les romanciers les cinéastes, les historiens, pas seulement les historiens euh, allemands. Et je voudrais vous montrer en quoi l'histoire du quotidien, c'est un, un mode de compréhension euh, intéressant et pertinent du, euh, du, passé, euh, du passé historique. Alors, euh, ça, ça a été rapidement rap rappelé euh, lors du, euh, de, de, de l'introduction. Quand on pense à la RDA, spontanément, et quand on arrive à, à ranger les, les, les dates dans, dans le bon ordre, on a trois grandes dates historiques qu'on associe à, à cette histoire quand on euh, survole la RDA, quand on a une approche par le haut de, euh, de, de l'histoire de, de cet État, qui est donc euh, un État artificiel créé en, 1940, en 1949 pardon, euh, et qui, euh, comme sa sœur jumelle et euh, en même temps. Euh, Antagonistes, la RFA, ce sont deux États artificiels qui sont nés de la Seconde Guerre mondiale et qui n'étaient pas destinés à durer. Ce sont deux États provisoires. Et euh, cet État provisoire est allemand. Il est à la fois ce que mon collègue allemand Wilfried Leut appelle l'enfant non désiré de Staline, puisqu'à l'origine, Staline a beaucoup hésité sur le, le devenir de, de l'Allemagne post-hitlérienne après 1945. Et quand il a commencé un petit peu à stabiliser son concept géopolitique, son objectif, c'était d'avoir au milieu de l'Europe une Allemagne réunifiée, démilitarisée et neutre, qui serve de tampon entre l'espace impérial soviétique qui, en 1945, a atteint son apogée. Et puis, euh, ce qu'il euh, a désigné comme le camp occidental, parce que Staline était convaincu que euh, dans les années 50, une troisième guerre mondiale allait se dessiner de manière un peu dialectique entre le bloc de l'Ouest et euh, le camp soviétique. Euh, la première photo que, que je vous montre et qui est la première date à laquelle on associe euh, l'histoire de l'RDA, sur votre gauche, c'est le 17 juin 1953, quatre ans après la création de cet état artificiel. On a un soulèvement populaire. Euh, qui concerne toutes les classes de la société et en partie toutes les générations, puisque pour avoir travaillé sur le, le 17 juin 1953 dans les écoles euh, et les lycées de Berlin-Est, les, les lycéens étaient aussi en partie euh, impliqués dans cette, euh, dans cette révolte. Une révolte populaire qui exprime en fait un, un mécontentement euh, général par rapport euh, à l'entreprise de stalinisation de la partie orientale de l'Allemagne depuis le 1950, ce qui officiellement correspondait. Au, à la construction, euh, à l'édification du euh, socialisme sur le modèle stalinien, puisqu'on euh, ne peut pas comprendre euh, l'histoire de l'Europe centrale et orientale du début des années 50 si on ne la rattache pas à l'expérience de transformation politique, économique et culturelle de l'Union soviétique entre 1929 et 1939. Donc on a euh, une sorte de copier-coller euh, du euh, stalinisme avec euh, euh, de la violence arbitraire. Avec une pression idéologique à outrance, avec des expropriations, une transformation de l'appareil économique avec une orientation très forte sur l'industrie lourde et dans un contexte social très compliqué, puisque on rappelle que huit ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la RDA est encore marquée par les stigmates de cette guerre, à la fois dans ses centres urbains, mais également dans ces modalités de fonctionnement au quotidien puisque on est encore dans le cadre d'une économie de ravitaillement enfin de rationnement pardon. donc une partie de la population se soulève et menace de renverser un régime qui est en perdition complète entre le 17 et le 18 19 juin 1953 et ce sont les chars soviétiques qui viennent suppléer la police casernée la police allemande ordinaire est allemande qui est incapable en fait avec l'hastasie de contrôler ce mouvement révolutionnaire. Donc, le 17 juin 1953, c'est un, un traumatisme très important, euh, aussi bien pour le, la société est-allemande que pour les élites. La société comprend que euh, si euh, elle va trop loin dans la contestation de l'autorité politique, eh bien, elle va subir les foudres de la violence physique, euh, notamment incarnée par ces millions de soldats soviétiques présents dans les casernes. En RDA est présent jusqu'en 1989, et pour les élites politiques, c'est un, un coup de semonce extraordinaire. Ça montre la faible légitimité, on va dire, démocratique du communisme est-allemand. Et évidemment, ils s'en souviendront. Ces élites politiques est-allemandes, elles s'en souviendront lorsque, à l'automne 1989, eh bien la société est-allemande ou une partie de sa société surmontera. Sa peur descendra dans l'espace public à Leipzig, à Dresde, à Berlin-Est. Et euh, au moment du début de ces manifestations, à l'automne 89, euh, Erich Mike euh, demandera, donc, le, le chef de l'Achtasi euh, en poste depuis 1957, demandera à ses officiers supérieurs si on n'assiste pas à un nouveau 17 juin 53. Donc le 17 juin 53, c'est euh, un moment euh, clé de l'histoire de, de la RDA un moment traumatique euh, qui va euh, marquer les esprits jusqu'à la fin de l'existence euh, de, ce, de ce régime dictatorial. La deuxième photo, en haut à droite, vous la connaissez aussi euh, toutes et tous, elle fait partie euh, un petit peu de ces moments iconiques euh, de l'histoire de la RDA, des deux Allemagnes et de la guerre froide. Euh, C'est le 13 août 1961, la construction du mur de Berlin. Deuxième moment clé, et j'allais dire… Euh, Second acte de naissance de la RDA. La RDA est officiellement née le 7 octobre 1949 en réponse à la création de la RFA par les alliés occidentaux en mai 1949, le 23 mai 1949. et eh bien, le 13 août 1961, vous avez l'acte la, de naissance euh, de la RDA, l'acte 2 de naissance de la RDA, dans la mesure où avec la construction du mur, on ferme la dernière possibilité. Euh, et on empêche ainsi les Allemands de l'Est de quitter euh, le pays, puisque euh, depuis 1950, vous avez plus de 2 millions d'Allemands de l'Est qui euh, quittent la RDA pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons euh, liées tout simplement à ce sentiment d'oppression idéologique et à, de blocage euh, social, puisque euh, une, une politique... Euh, euh, Social euh, de, de promotion euh, de la classe ouvrière euh, empêche un certain nombre euh, d'enfants issus euh, de la bourgeoisie, alors, euh, soit euh, éclairés, euh, soit commerçantes, euh, d'accéder euh, aux, études, aux études supérieures. Et vous avez un, un, par flot euh, continu des Allemands de l'Est qui, euh, qui fuient la RDR. Donc le 13 août 61, on ferme la dernière euh, porte de, de sortie. Et donc, on contraint les habitants restants à finalement s'accommoder de ce régime de dictature qui, en retour, va libéraliser un petit peu sa politique éducative, sa politique culturelle et va essayer d'édifier un modèle de société de consommation qui euh, a la prétention au moins de concurrencer le modèle capitaliste, voire même de le dépasser. Et puis la dernière image celle qui euh, avec un raccourci euh, donne l'impression que euh, dès le 9 novembre euh, s'ouvre la voie de la réunification euh, allemande le 9 novembre 1989 de manière euh, quasi miraculeuse au sens où euh, pas une goutte de sang ne sera versée et eh bien le, le mur de Berlin tombe et euh, s'ouvre alors euh, plusieurs options politiques on s'ouvre un, un champ des possibles euh, dans l'ivresse de cette révolution euh, pacifique qui est en fait euh, à l'œuvre depuis le printemps 1989 et la contestation des élections municipales par des citoyens qui ne supportent plus en fait, le trucage des élections par le gouvernement, eh bien, à partir de novembre 1989, on a en gros deux grandes options sur la table. La principale, à l'époque, portée par les mouvements civiques qui ont eu le courage de braver la, 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 la potentielle répression. Et une répression qui en partie a eu lieu dans la rue, hein, incarnée par les forces de police et les forces de l'Achtasi. Ces mouvements civiques, eux, plaident pour une sorte de socialisme à visage humain, une sorte de remake de, de Prague 68, et imaginent très bien une RDA coexister avec la RFA, avec un, un modèle à mi-chemin entre le capitalisme et le socialisme de type soviétique. Et donc on aurait un socialisme humaniste qui euh, pourrait euh, de manière démocratique euh, s'épanouir maintenant dans un régime qui euh, est en train de renverser la dictature euh, du parti euh, socialiste unifié d'Allemagne donc le, le SED. Et puis euh, vous le savez très vite l'histoire va s'accélérer et à partir de janvier euh, 1990 euh, en fait décembre 90 euh, avec la tournée triomphale euh, d'Helmut Kohl et puis euh, euh, ça, 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 son programme en 10 points qu'il avait annoncé à la fin du mois de novembre, euh, c'est finalement l'option de la réunification qui va euh, balayer tout sur son passage et qui va euh, euh, contribuer finalement à intégrer euh, la RDA et donc les, les cinq lenders euh, nouveaux lenders constituant la, la RDA selon l'article 23 de la, de la loi fondamentale. C'est donc l'option de l'intégration. Et, euh, et je ne veux surtout pas entendre parler d'Anschluss ou, ou d'annexion, comme on peut le lire parfois euh, euh, de façon très instrumentalisée dans un certain type de discours média, médiatico-politique. Il n'y a pas eu d'annexion euh, de la RDA par euh, la RFA. Il y a eu la volonté démocratique euh, d'entrer dans euh, un monde qui était un monde, en effet, euh, qui était plein de promesses. Les Allemands de l'Est, dans leur majorité, sont entrés avec des étoiles plein les yeux. Dans le nouveau monde de l'Allemagne réunifiée, puisque Helmut Kohl leur avait promis euh, des, des paysages florissants, et que d'une certaine manière, il ne faut jamais l'oublier, cette révolution pacifique, ils l'ont faite au nom de la lutte pour la, la liberté et la démocratie, mais ils l'ont fait aussi surtout pour accéder euh, à ce qui apparaissait comme le confort et la richesse matérielle des sociétés occidentales. Alors, euh, le problème de la, de la réunification, c'est que euh, elle s'est passée selon des standards euh, néolibéraux. La partie orientale de l'Allemagne réunifiée fut en effet un laboratoire du néolibéralisme et des pratiques euh, économiques néolibérales au même titre que la Pologne euh, en 1989 et, et à partir de 1992 la Russie euh, post-soviétique. -post et euh, le, le néolibéralisme et les recettes néolibérales telles qu'elles ont été appliquées en Allemagne de l'Est de façon extrêmement brutale ont abouti à une désindustrialisation de très grande ampleur, euh, avec une, une, une destruction, je vous en reparlerai dans quelques minutes, de ce qui a fondé en fait, l'identité des Allemands de l'Est au quotidien, c'est-à-dire le travail, une société euh, du travail tournée, centrée sur euh, l'entreprise, qui était bien plus qu'un lieu de travail et un lieu de production, c'était aussi un lieu de redistribution euh, euh, d'un certain nombre de ressources sociales et puis un lieu de culture ou d'accès à la culture, eh bien ce monde socialiste-là va être balayé dans le cadre de la, 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 la réunification et le, le, le choc, l'expérience négative du, du, du chômage, la, la stigmatisation à travers toute une série de, 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 de reportages et de, de, de discours politico-médiatiques sur finalement un certain nombre de, de, de pratiques. Où ou un certain nombre de traits euh, autoritaires de l'éducation est-allemande. Euh, bref, les, les Allemands de l'Est euh, vont euh, commencer à se sentir stigmatisés et va se développer euh, ce sentiment d'être euh, finalement d'appartenir à une citoyenneté de seconde classe. Et Cette citoyenneté de seconde classe, elle va euh, exprimer sa frustration et sa colère dans les urnes, D'abord en votant pour euh, le parti d'extrême gauche qui a pris la suite du SED, euh, qui s'appelait le, le PDS euh, dans les années 90, et qui, euh, euh, à l'issue d'un mouvement de, de, de fusion avec des syndicats euh, ouest-allemands au début des années 2000, va aujourd'hui s'appeler euh, Die Linke. Cette frustration et cette colère, euh, elle est d'abord euh, capitalisée par. Euh, ce parti d'extrême gauche mais cette, euh, cette frustration elle ne disparaît pas à coup de millions de Deutsche puis d'euros qui sont injectés dans une logique de transfert ouest-est et qui s'est traduit pour ceux qui connaissent l'Allemagne par une modernisation des centres urbains par une réhabilitation euh, du réseau autoroutier ou du réseau ferroviaire, ce qui fait que l'état des routes et, et du chemin de fer aujourd'hui euh, en Allemagne, il est bien meilleur du côté euh, de l'ex-RDA de que du côté euh, de, de Cologne ou, euh, ou, ou, de, ou de Stuttgart. Euh, vous avez certainement tous fait l'expérience des retards de train. Euh, de, la, de la Deutsche Bahn qui sont bien plus importants que euh, les retards de train qu'on peut connaître avec la SNCF. Euh, et donc cette frustration, elle, elle n'a pas disparu avec euh, l'effort de solidarité et donc l'important, l'énorme effort de financement qui s'est opéré euh, depuis les années 90 puisque ce sont des, des millions et des millions d'euros qui ont été injectés au nom de la solidarité euh, avec euh, les, la partie orientale de, de l'Allemagne. Le fait le plus récent, et c'est pour ça que je partage avec vous euh, ce graphique qui euh, illustre à l'exemple euh, d'une ville moyenne qui sert de toile de fond en fait euh, au livre « 24 heures de la vie en RDA » qui s'appelle Zeitz. Zeitz, c'est une, une ville au sud de Leipzig, dans le, le land de saxe anhalt Et aux dernières élections régionales de 2021, vous le voyez ici sur ce graphique, euh, la CDU, qui est historiquement le parti de la réunification et, et le parti au pouvoir euh, dans cette région, comme en Saxe, euh, arrive encore en tête avec 36,7% des suffrages, mais euh, il est loin de ces euh, chiffres du début des années 90 où il avait euh, quasiment la majorité absolue. Et puis vous avez ce parti d'extrême droite populiste, nationaliste l'AFD qui, à Zeitz, fait 26,5% des suffrages et qui est fortement implanté dans cette région et puis dans la région de Saxe. Donc, quand les élections régionales ont lieu en Allemagne orientale, tout le monde retient son souffle, puisque l'AFD, en fonction des sondages et, de la, et des campagnes électorales, est maintenant en capacité d'être pratiquement le premier parti dans ces deux lenders d'Allemagne orientale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit euh, cette montée en puissance de, de ce parti populiste qui est récent, puisqu'il a été créé euh, au départ dans une logique euh, élitiste hostile à, à la zone à la zone euro et, et qui s'est transformé, enfin qui de plus en plus, euh, qui dérive de plus en plus vers vers, vers, vers l'extrême droite sous l'impulsion d'un certain nombre de ses de ses leaders euh, Ça nous dit tout simplement que euh, la réunification... Euh, elle n'est pas achevée, qu'on peut euh, commémorer euh, le, le 20e, le 25e anniversaire, euh, le 30e anniversaire de la chute du mur euh, de Berlin. Euh, on a toujours une partie de la population euh, d'Allemagne de l'Est qui se sent, euh, euh, alors soit stigmatisée euh, ou qui continue à se sentir euh, à l'écart et, euh, et pas suffisamment intégrée, c'est-à-dire pas suffisamment reconnue. Pourquoi pas suffisamment reconnue Parce que euh, euh, ces, euh, ces, 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 ces Allemands de l'Est, euh, en partie d'un point de vue générationnel, ont vécu et ont grandi en RDA, et ils ont euh, apporté ou ils, ils ont euh, emmené avec eux dans cette Allemagne réunifiée ben, une part de leur euh, de leur sociabilité, de leur expérience du quotidien euh, euh, de, de RDA, et que cette expérience n'a pas toujours été euh, reconnue ou, euh, ou, ou, ou valorisée. Euh, si vous suivez un tout petit peu l'actualité. Euh, allemand d'aujourd'hui, vous savez que l'Allemagne est comme la France frappée par une, une, forte, une forte inflation. Et euh, l'ironie de l'histoire, c'est que euh, d'une certaine manière, euh, par rapport à ces, ces conséquences socio-économiques de, de, de l'inflation, euh, on, en, on en vient à, à valoriser euh, un certain nombre de comportements qui avaient cours en, en RDA. Et qui correspondait à ces phénomènes de débrouillardise ou de combine dans une économie socialiste qui était incapable en fait, de satisfaire un certain nombre de besoins et où un certain nombre de produits étaient extrêmement rares. Et vous avez aujourd'hui, à la télévision allemande, un certain nombre de reportages qui mettent en valeur ces comportements de, de, de débrouillardise. Et donc, l'Allemand de l'Ouest découvre qu'il euh, aurait des choses à apprendre finalement. De ses compatriotes de, de l'ex-RDA. De, de Alors, ce, ce résultat dans, dans une ville comme celle de Tsait est, est lié aussi aux effets dévastateurs de la désindustrialisation. Vous avez ici en photo euh, le, ce qui était le, le, le bâtiment amiral de la grande entreprise Tsekiva, qui était l'entreprise d'État qui fabriquait toutes les poussettes et tous les landaux en, en, en RDA et qui a fermé en 1992, laissant sur le carreau plus de 2000 employés euh, euh, dans cette ville qui, euh, à la fin de l'RDA, comportait 47 000 habitants et qui aujourd'hui euh, en compte à peine euh, euh, 27 000. Et puis, euh, le, cette, cette pauvreté et, et cette désaffection euh, du, du, du centre-ville avec des, des propriétaires qui ne sont pas capables d'entretenir leur, 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 leurs immeubles, fait qu'une partie de la ville, notamment du centre, est en train de, de, de tomber en, en ruine. Et que donc, par rapport à ces paysages florissants que promettait Helmut Kohl, la réunification a surtout été, pour beaucoup, une expérience du désenchantement, de la désillusion. Euh, et puis, euh, donc, de la, de la frustration. Et, et cette colère, euh, elle, elle perdure encore aujourd'hui euh, en, en, en 2023 et elle s'exprime régulièrement dans, dans les urnes. Alors, on ne le sent pas forcément beaucoup à l'échelle nationale, puisque cette partie de la orientale, électoralement, sur un pays de 80 millions d'habitants, elle pèse finalement relativement peu. Et comme l'AFD. A extrêmement du mal à s'implanter euh, globalement euh, à, à l'ouest, même s'ils sont présents dans à peu près tous les, euh, les, euh, les, les parlements régionaux, et qu'ils sont capables parfois de faire des scores très élevés dans certaines parties euh, désindustrialisées de l'Allemagne de l'ouest. Songez que dans certains quartiers, par exemple, ce qu'on appelle le Ruhrpott, donc le, le quartier, le, 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 cet espace industriel de la Ruhr, une ville comme Gelsenkirchen, dans certains quartiers de Gelsenkirchen, l'AFD fait plus de 20% aux élections européennes. Euh, de, aux précédentes élections européennes de, de 2019. Si je rentre maintenant euh, euh, plus, euh, plus précisément dans le, le sujet de, de l'histoire du, du, du quotidien, euh, c'est un, un mode de compréhension du, du passé qui, euh, euh, au, au début des années 1990, euh, euh, a, été, a fait l'objet de, de beaucoup de controverses historiographiques. Alors, je partage avec vous euh, sur cette diapo un certain nombre d'ouvrages. Euh, notamment euh, euh, rédigé par mes, mes, mes collègues français euh, Sandrine Cotte, Michel Christian et Jerwell. Puis je vous ai mis aussi euh, une référence anglo-saxonne, un collègue américain, Ellie Robin, puisqu'il y a beaucoup d'historiens américains qui s'intéressent aussi à l'histoire de la RDR, en tout cas des anglo-saxons au sens large du terme. Et, euh, et cette histoire du quotidien, euh, elle, elle, au début, elle, 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 elle avait du mal à, à être reconnue comme euh, une, une histoire scientifiquement valable et, et légitime. Au sortir de la, de la guerre froide, il y avait un paradigme euh, dominant dans la recherche quand on, euh, on s'intéressait à l'écriture de l'histoire de la RDA. C'était ce qu'on appelle le, le, le paradigme totalitariste, qui a connu un, un, un renouveau au début des années 90 très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le paradigme totalitariste ça veut dire que quand on analyse les sociétés euh, euh, du Bloc de l'Est, à commencer par la société euh, est-allemande, on considère que cette société, euh, elle a été paralysée, gelée, étouffée, détruite, atomisée par des institutions politiques répressives. Et donc, faire l'histoire de la RDA au quotidien, c'est faire d'abord l'histoire de ces institutions répressives. Le parti, euh, la police politique, l'armée et euh, en retour essayer de trouver cette ultra minorité d'opposants, de résistants, donc de héros qui ont su euh, courageusement dénoncer ou s'opposer à cette dictature qualifiée donc de totalitaire. Et quand vous mobilisez cet angle de, de, de vue, quand vous appréhendez la RDA comme un régime totalitaire, en gros vous ne voyez que euh, euh, des élites politiques militaires et policières, des résistants et des opposants courageux mais qui forment une ultra-minorité. Et puis vous avez cette masse de la population un peu inerte, en tout cas qui n'est pas actrice de son histoire. Quand on développe euh, une approche du quotidien, on s'intéresse aux acteurs du quotidien, on s'intéresse à, euh, à leur normalité quotidienne et ce qu'on saisit, euh, notamment quand on travaille avec des sources euh, locales, quand on travaille aussi avec des témoignages, qu'on croise avec ces sources locales, ben on se rend compte que euh, ces acteurs avaient, euh, dans un cadre qui reste dictatorial, donc euh, où les libertés sont fortement euh, limitées, euh, où la, la police politique exerce un contrôle relativement euh, serré d'une partie de la société ou de certains secteurs de la société, eh bien, on se rend compte que ces acteurs, ils ont quand même une marge d'autonomie ce qu'on appelle en allemand euh, l'Eigensinn, c'est-à-dire ce « quant à soi ». Il y a un domaine réservé, une, un espace des possibles. Alors, je ne vous le cache pas, cet espace des possibles, il est extrêmement limité dans un cadre dictatorial. Mais euh, les générations qui ont grandi et qui se sont succédées en RDA entre 1949 et 1989, notamment après la construction du mur de Berlin en 1961, ils ont appris les règles du jeu, ils se sont accommodés et ils ont parfois réussi à négocier un certain nombre d'avantages, essentiellement matériels, puisque sur le plan politique, c'était extrêmement compliqué. Donc par rapport à la décennie 1950, qui est une décennie quand même extrêmement dure, brutale, violente, où on cherche en effet à faire table rase du passé et à transformer radicalement la société pour faire émerger l'homme socialiste nouveau, à partir des années 60, on rentre en fait dans l'ère de ce qu'on va appeler, ou de ce que les dirigeants est-allemands eux-mêmes vont appeler « le socialisme réellement existant », une expression qui apparaît pour la première fois euh, au début des années 70, au moment où euh, Erich Honecker arrive, arrive au pouvoir. Et donc, ce que je vais vous proposer maintenant dans les, les minutes qui, euh, qui viennent, qui vont se succéder, c'est d'identifier un certain nombre de lieux de la vie quotidienne en, en RDA et de vous faire rentrer dans ces lieux et de vous faire… Mesurer en fait euh, ce qu'a pu représenter euh, euh, ces lieux, ces institutions dans l'expérience le, du communisme au quotidien. Je le fais donc euh, par une entrée locale qui est la ville de Zeitz, euh, un peu comme euh, Christian Petzold dans le film Barbara. Si vous, euh, si vous, si vous participez à la, à la séance cinématographique suivante, ben vous verrez que euh, là où euh, la vie des eaux se, se, se centre sur Berlin et euh, euh, donne finalement. Euh, L'image de ce que peut être la, la vie euh, dans la capitale. Euh, euh, quand on veut chercher à comprendre la normalité euh, quotidienne, euh, c'est pas mal aussi de, euh, de faire un pas de côté, d'aller sur les marges de la RDA, comme le fait euh, Petzold dans son film Barbara. Moi, je le fais à partir d'une ville qui est donc au, au sud de la RDA, euh, qui n'est pas une très grande ville industrielle, mais qui est une ville industrielle de taille moyenne, 47 000 habitants, la ville de Zeit. Et je l'ai fait notamment parce que, euh, euh, pour écrire ce livre, euh, J'avais découvert cette, cette vidéo euh, d'une famille modèle euh, qui avait été euh, visitée par un, un, un journaliste de, de l'ORTF en 1974, justement l'année où la RDA, enfin, le moment où la RDA en fait, accède à la reconnaissance internationale, euh, notamment avec son entrée euh, au sein de l'Organisation des, des Nations Unies. Et euh, cette famille Fischer, je vous ai mis le, le lien sur la vidéo YouTube sur cette diapo. Euh, j'ai essayé de la retrouver quand je suis allé moi-même sur le terrain à Tzitz, euh, avec le secret espoir de de retrouver de, de retrouver, euh, de retrouver euh, euh, Monsieur ou Madame euh, Madame Fischer. Et j'ai en partie échoué. j'ai retrouvé la trace de Madame Fischer, mais cette Madame Fischer, euh, divorcée aujourd'hui, euh, n'a pas voulu en fait me, me rencontrer pour pour un, un échange. Euh, sur cette vidéo et plus largement sur, euh, sur sa trajectoire, euh, trajectoire existentielle. Alors, pour parler du, euh, du, du quotidien en, en RDA, je vais vous le faire euh, essentiellement en, en vous parlant donc du temps euh, après la construction du mur de, de, de Berlin, c'est-à-dire en vous parlant d'une RDA qui s'est stabilisée, qui euh, arrête en fait de, de se vider de son sang et qui peut enfin, euh, à partir de ce moment de stabilisation, euh, construire euh, une société tourner vers l'avenir. Et donc l'avenir, alors c'est plus euh, la réunification selon un modèle euh, socialiste, puisque maintenant euh, la division, est, est, elle semble euh, euh, définitive, mais ça va être de construire par étapes euh, un modèle euh, socialiste, donc le modèle euh, du socialisme réellement euh, existant. Et donc euh, euh, la, le premier lieu central pour euh, comprendre, alors à la fois... L'Allemagne présente, cette Allemagne orientale du temps présent minée par ce sentiment d'infériorité et ce que fut la RDA, eh c'est l'entreprise. L'entreprise d'État, puisque les entreprises privées vont progressivement être éliminées avec. Euh, bon, dès dès la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, de grandes vagues de nationalisation ou d'expropriation dans les secteurs clés de l'industrie lourde, puis de, de l'agriculture. Au niveau des, euh, de l'artisanat et des, des petites et moyennes entreprises, la privatisation ne sera achevée qu'au début des années 1970. Vous avez encore quelques entreprises privées qui continuent à exister en RDA, alors avec des chicaneries, des tracasseries administratives et bureaucratiques, mais la, la, la privatisation... Euh, Enfin, la, la, la fin des entreprises privées, c'est le début des années 1970. Alors pourquoi je commence par l'entreprise et je, je vous expliciterai ensuite le choix de cette photo. Euh, l'entreprise, en fait, le travail avant tout, c'est une, une valeur centrale de la société euh, est-allemande. C'est une valeur du mouvement ouvrier, on peut, on peut le dire autrement, le, le travail c'est une valeur de gauche, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui euh, quand on voit l'évolution. Euh, des, des débats autour de la réforme des retraites en, en, en France. Euh, et cette valeur travail, elle est évidemment mise en avant par l'idéologie marxiste depuis le XIXe siècle, mais elle est aussi partagée cette valeur travail par une, une majeur, la majeure partie de la population. Euh, le travail est un droit garanti dans la Constitution depuis 1949, mais c'est un devoir, c'est-à-dire que dans la Constitution, euh, on insiste bien sur l'utilité sociale. Du, euh, du travail, ce qui euh, fait que euh, lorsque vous ne travaillez pas, alors le chômage n'existe pas officiellement en RDA, mais lorsque vous n'adhérez euh, pas à cette valeur, il y a un adjectif qui est utilisé qui est très stigmatisant euh, en RDA, que vous retrouvez encore aujourd'hui utilisé par certains habitants de l'ex-Allemagne de l'Est. À l'échelle, parfois, de euh, copropriété euh, dans, des, euh, dans, dans des immeubles ou dans des, des résidences collectives. Euh, J'ai notamment une anecdote à ce sujet à berlin que je voudrais euh, rapidement évoquer avec vous. On utilise l'adjectif asocial, donc asocial. Quelqu'un d'asocial, c'est quelqu'un qui euh, ne partage pas euh, euh, donc la, la valeur travail et qui euh, rechigne à euh, partager un certain nombre de tâches collectives. L'anecdote est la suivante. Elle m'a été racontée par un, un ancien journaliste euh, en poste pour, pour Radio France à Berlin ces, ces dernières années, et qui habitait dans le quartier de Treptow. Et euh, il y avait euh, une tâche collective, donc Treptow, ancien quartier de, de, de Berlin-Est, hein, euh, quartier ouvrier, euh, industriel. Alors il reste plus beaucoup, il n'y a, a plus d'entreprises industrielles aujourd'hui dans, dans ce quartier. Mais euh, dans cet immeuble où on devait se, se partager les tâches autour des collectes de, 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 de papiers. Et de tri euh, des, euh, des, des plastiques, euh, un des habitants, a, a, avait un des propriétaires, avait, avait stigmatisé certains locataires qui venaient de l'Ouest euh, en les qualifiant de azotiales, puisqu'ils ne respectaient pas ces en fait, euh, règles de fonctionnement. Donc des individus rétifs au travail sont considérés comme asociaux. Alors cette valeur centrale accordée au travail, elle se traduit par la centralité de l'entreprise. Le quotidien d'un Allemand de l'Est ou d'une Allemande de l'Est s'organise autour de l'entreprise l'entreprise étant à la fois un lieu de travail un lieu de prestation euh, euh, sociale euh, puisque toute une série de prestations euh, euh, incarnées par euh, la cantine la crèche donc pour les enfants de 0 à 3 ans le jardin d'enfants pour les enfants de 4 à 6 ans euh, un mag le magasin d'alimentation de l'entreprise, parfois la clinique le camp de vacances euh, bref tout cet esprit paternaliste que vous connaissez peut-être vous-même pour euh, avoir grandi ou avoir vu vos parents ou vos grands-parents travailler dans des entreprises de type paternaliste, bah dans ce cadre dictatorial de la RDA, euh, l'entreprise euh, est évidemment euh, un lieu de production, mais aussi un relais de la politique euh, sociale de l'entreprise. Là où évidemment euh, la différence se fait par rapport euh, aux entreprises paternalistes que l'on connaît euh, dans le monde occidental, c'est que l'entreprise est un lieu d'idéologisation, de, de politisation, mais de politisation pas évidemment dans un sens démocratique du terme, puisque la politisation est encadrée, assurée par le parti communiste qui dispose à l'intérieur de l'entreprise d'une cellule de militants. Généralement, on a à peu près un actif sur cinq à la fin des années 80 en RDA qui milite dans le parti, donc dans le SCD, au sein des entreprises. Et surtout, la direction de l'entreprise est une direction toujours bicéphale. Vous avez un directeur technique qui est généralement issu, euh, qui, qui, a, qui a reçu une bonne formation euh, d'ingénieur et qui dirige techniquement l'entreprise. Et puis, vous avez le secrétaire du parti, le secrétaire de la cellule du parti, personnalité incontournable, qui va, lui, s'occuper de tout le travail d'encadrement idéologique et qui va organiser, cette campagne de mobilisation régulière autour d'objectifs euh, politiques, ou autour de fêtes, de commémorations, comme euh, le 9 mai, le 9 mai le, la révolution d'octobre, la commémoration de la révolution d'octobre en novembre, le 7 octobre pour la création de la RDA, le 1er septembre pour la Journée mondiale de la paix, et qui va donc euh, encadrer étroitement politiquement les, les employés. Euh, l'autre caractéristique des, de ces entreprises d'état c'est qu'elles sont organisées par, euh, en termes de fonctionnement du travail par brigade vous avez des petites unités sous l'autorité d'un chef d'un contremaître qui euh, euh, évidemment favorise l'interconnaissance les, les relations personnelles donc la solidarité mais qui permet aussi à travers la fonction de contremaître, de contrôler pas seulement la productivité euh, des ouvriers qui composent cette cellule, mais aussi la moralité, c'est-à-dire la, la, la vie personnelle de ces, euh, de ces ouvriers. Et donc, il n'est pas rare de voir euh, un, un brigadier, donc un, un responsable de, de brigade, euh, s'immiscer dans la vie personnelle de ces euh, ouvriers, notamment quand ceux-ci euh, euh, sont euh, marqués par euh, l'alcoolisme par des comportements extra-conjugaux euh, euh, qui ne sont pas conformes à la morale euh, socialiste. Euh, on vient rappeler à l'ordre un mari qui euh, euh, frappe sa femme. On, on rappelle à l'ordre un mari qui, qui boit. Et on essaie de trouver des solutions pour, euh, par solidarité et puis aussi par respect de cette morale socialiste, pour l'aider à sortir de ces de difficultés. Alors je vous montre cette photo, pourquoi Parce que quand on pense à la, à la propagande euh, économique euh, sur la RDA ou quand on pense à la RDA, on pense à ces grands combinats chimiques, à ces, euh, je ne l'ai pas dit en introduction mais vous le savez peut-être et puis vous l'avez vu pour ceux qui ont vu, euh, la, viennent de voir La Vie des Autres, la couleur dominante dans la production cinématographique sur la RDA et les, la couleur qu'on associe spontanément à la RDA, c'est le gris. Euh, le gris des façades parce qu'on euh, on manquait de, de, de peinture de couleur. Le gris des intérieurs parce qu'avec les poêles à charbon, euh, les, les murs avaient tendance à, à, à progressivement à, à, à se griser ou à noircir. Et puis le gris du ciel parce qu'avec tout le, le rejet des fumées industrielles, euh, euh, c'est vrai que euh, c'est le gris qui semble être la couleur, euh, la couleur dominante. Euh, dans ce, ce monde de gris, euh, euh, vous avez euh, l'industrie lourde, qui est vraiment euh, le secteur clé et qui est toujours mis en avant euh, par euh, la propagande communiste. Vous, vous avez tous en tête des, des images de ces ouvriers stakhanovistes euh, dans les mines, euh, dans les entreprises métallurgiques ou sidérurgiques, qui euh, battent record sur record et qui viennent illustrer euh, l'héroïsme individuel au service de la, du collectif, c'est-à-dire de la reconstruction. Euh, de la puissance industrielle de la RDA, puisque l'une des conséquences de l'occupation de la zone soviétique entre 1945 et 1949, ne l'oubliez jamais, ça a été cette très sévère politique de démontage opérée par l'occupant soviétique, euh, étant donné le niveau de destruction de l'Union soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une partie de la reconstruction de l'Union soviétique, elle, elle s'est faite, évidemment, avec du matériel et avec des wagons, des machines-outils. Euh, qui était euh, dans la partie orientale de, de l'Allemagne. Si je vous montre cette photo, c'est pour illustrer euh, une industrie qui est moins prestigieuse, moins valorisée, mais qui euh, euh, permet notamment euh, aux femmes d'être fortement représentées. Ne l'oubliez jamais. À la fin des années 80, plus de la moitié, enfin, quasiment la moitié de la population euh, active est féminine. Euh, on en est loin dans l'autre euh, la, côté du mur en, en RFA, où on reste sur une société euh, patriarcale, classique avec euh, euh, majorité de, de, de femmes euh, qui, restent, euh, qui restent à la maison ou qui sont soumises au, 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 travail, au travail partiel. donc, à côté de l'ouvrier masculin stakanoviste, euh, eh bien, les femmes qui représentent un actif sur deux euh, contribuent également à, à, à la modernisation socio-économique de la rda. vous les voyez ici, ces ouvrières travaillant à la chaîne, construisant donc les, les landaus de cette entreprise d'État qui s'appelle TseKiva. Alors TseKiva, c'est euh, une, une success story euh, euh, industrielle ou économique allemande, comme on les connaît, euh, parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de longue durée en fait de ce capitalisme allemand. Euh, c'est une une entreprise en fait familiale à l'origine qui se développe au, à partir du milieu du 19e siècle, au moment où la révolution industrielle commence à déployer ses ailes en, en Allemagne. Et euh, euh, vous avez un, un, un industriel local, ou un artisan local plutôt, euh, au milieu du 19e siècle, à Zeitz, qui invente, euh, qui invente la poussette moderne euh, et qui va, euh, qui va faire de la poussette euh, de Zeitz la poussette qui va s'exporter partout en Europe au début du XXe euh, siècle. Il euh, n'y a que la poussette anglaise fabriquée à Leeds euh, euh, qui va concurrencer un petit peu la, 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 poussette, la poussette allemande. Euh, et cette poussette allemande euh, de Zeitz va être évidemment, va passer, euh, va être nationalisée euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. Donc l'entreprise devient une entreprise d'État avec cet acronyme, euh, C'est le Kiva c'est pour Kinderwagen, donc la, la poussette. Euh, et, et cette entreprise, en fait, va exporter ses poussettes dans tous les pays du bloc de l'est. Et euh, la qualité de ces poussettes va même être reconnue puisque euh, elles vont être vendues à l'ouest. Elles vont être vendues sur euh, euh, ces catalogues de vente par correspondance, donc l'équivalent de la Redoute ou des trois Suisses, euh, qui, que sont les, 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 les catalogues ouest allemands Otto et euh, Kfelle, euh, qui permettent donc de, de montrer, en fait, euh, le, la capacité de la RDA à exporter ses poussettes. Alors, ça avait un avantage macroéconomique pour la RDA de vendre les poussettes à l'Ouest, c'était de, de, de faire rentrer des devises euh, pour, euh, qui étaient très importantes pour, pour son fonctionnement. Euh, alors, c est, c est, ces femmes qui travaillent à, à, à la chaîne, euh, dans ce type d'entreprise, vous, la retrouvez, vous retrouvez les, les femmes présentes évidemment dans l'industrie textile. Euh, vous changez la poussette et vous mettez un, 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 un appareil, un téléviseur euh, ou une machine à laver. C'est exactement la même chose. Les, les femmes investissent le, le, ces industries dites légères ou, ou électro, de l'électroménager. Elles sont la plupart du temps soumises à un encadrement masculin. C'est-à-dire que même dans le pays qui prétend avoir réalisé l'égalité homme-femme, euh, et dans un pays où l'émancipation de la femme se fait quand même par le travail, et c'est ça qui est important, on ne peut pas comprendre euh, également le sentiment de déclassement des femmes après 1990 dans l'Allemagne la, orientale si on ne fait pas référence à cette expérience du travail qui a été un moment d'émancipation euh, financière euh, et qui euh, a construit en fait l'identité de la femme. Euh, en, en RDA. Donc, ces femmes sont malheureusement soumises à, à, à un niveau intermédiaire de cadre, niveau intermédiaire et supérieur de cadre essentiellement ou exclusivement d'ailleurs masculin. Vous voyez dans cette entreprise de Tsekiva à Sites, il n'y a aucune femme contremaître, aucune femme dans les dans les, les cadres directeurs, donc les cadres techniques, et aucune femme évidemment au niveau de la de la de, de la direction. Euh, cette, cette centralité du, du travail, illustrée par, 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 cette, par, par cette photo, elle n'est elle pas contradictoire avec la valorisation de la famille et du foyer en RDA. C'est-à-dire que parallèlement à, à, à cette exaltation de la valeur travail et cette mise en avant de l'émancipation des femmes par le travail, vous avez finalement le triomphe d'une sorte de morale petite bourgeoise portée par les élites politiques est-allemandes, qui fait que la RDA, c'est peut-être le pays de l'émancipation de la femme allemande, notamment par rapport au pendant ouest-allemand, mais c'est aussi le pays des... Et en ce sens, la RDA ne se distingue pas des, des, autres, des autres pays. Euh, c'est le pays des inégalités traditionnelles au sein du foyer entre hommes et femmes. Alors, inégalités traditionnelles, pourquoi Parce que euh, euh, elles effectuent euh, euh, ce qu'elles euh, avaient elles-mêmes l'habitude d'appeler en RDA la deuxième journée, c'est-à-dire que les tâches ménagères sont assurées majoritairement, quasi exclusivement par les femmes en RDA. Il y a bien eu une tentative au début des années 50 de les externaliser dans le sens où l'entreprise... À socialiste, euh, en référence à un certain nombre d'expériences, de, 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 notamment dans l'Union soviétique des années 20, avant l'ère stalinienne, qui est aussi un, un, un moment où euh, les, les inégalités euh, traditionnelles vont définitivement s'ancrer, mais il y a eu un moment en Union soviétique au début des années 20, et on le retrouve en RDA au début des années 50, où vous trouviez au niveau des entreprises, pas seulement des cantines et des crèches et des jardins d'enfants, mais vous aviez euh, euh, des blanchisseries vous aviez des unités de, de, de repassage euh, où les salariés pouvaient apporter leur linge il était lavé repassé et elles le récupéraient euh, soit le soir même soit euh, au bout de quelques jours les cantines n'étaient pas seulement des lieux de restauration euh, sur place les cantines étaient aussi des lieux où on pouvait euh, emmener pour le repas du soir euh, de quoi de, de quoi de, de quoi manger or ces expériences pour des raisons pratiques et financières, ont été rapidement abandonnées au début des années 60. Et donc les tâches domestiques, euh, évidemment, euh, portent, euh, euh, sont essentiellement portées par, euh, par les femmes. Ça a une conséquence sur le, le quotidien au travail à partir euh, des années 60. Quand on euh, rentre finalement, vous voyez, dans une économie euh, qui n'est plus une économie de, de rationnement, mais qui reste toujours une économie de pénurie. Économie de pénurie, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les produits alimentaires de base jusqu'en 1989 euh, resteront tous les jours disponibles. Il n'y aura jamais euh, de pénurie de pain, euh, il n'y aura jamais de pénurie de pommes, de pommes de terre ou de choux. Par contre, euh, évidemment, dans une économie de pénurie, certains produits euh, se font plus rares. Euh, C'est notamment le cas euh, des vêtements, euh, de la lingerie, euh, de certains produits exotiques comme euh, des oranges. Et dans ce cas-là, euh, évidemment, euh, ce sont les femmes qui, euh, comme elles font les tâches ménagères, ce sont elles qui font les courses. Et que euh, lorsque, euh, par le bouche à oreille, on apprend que dans tel ou tel supermarché de la ville, on a un arrivage de collants ou d'oranges de Cuba, euh, il va falloir négocier avec son contremaître ou bien euh, se débrouiller pour, euh, sur son temps de travail, quitter l'entreprise aller faire euh, euh, la queue pour euh, euh, décrocher euh, un kilo d'orange ou bien euh, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux collants. Donc cette, euh, cette, cette société centrée sur le, le travail, euh, avec euh, cette double journée de travail pour les, les femmes, elle a des conséquences jusque dans l'organisation du travail, puisque parfois l'organisation du travail est perturbée par l'économie de pénurie, par... Euh, les tâches ménagères portées par les femmes et donc il y a des nécessaires accommodements, ajustements, un certain nombre de contre-mètres ferment, ferment, ferment les yeux ou ne rapportent pas à leur hiérarchie euh, euh, bien certains départs précipités ou certains, euh, certaines parenthèses dans les journées de travail euh, des, euh, des, des, des femmes de ces, euh, de ces entreprises. À côté de l'entreprise, le, et donc à côté de, de l'ouvrier ou de l'ouvrière, régulièrement mise en avant par, par la propagande, le deuxième lieu de formation de l'homme socialiste nouveau et le deuxième lieu central du quotidien en RDA, euh, ce sont les institutions en lien avec la jeunesse, donc essentiellement l'école. Mais pour bien vous montrer le lien entre la classe ouvrière et la jeunesse, je voudrais euh, l'illustrer et vous présenter euh, ces deux photos. Qui correspondent en fait, vous le voyez, à une brigade de travail. On est toujours à Zeitz, On est dans une autre entreprise, Udrirwerk, qui est en fait une entreprise de, raffine, de raffine, C'est raffinerie en fait euh, et euh, qui produit aussi euh, euh, des, des, des produits, des, des ersatz, des ersatz chimiques. Eh bien, cette entreprise, vous le voyez, une brigade de travail va accueillir une, une classe de l'école Lénine la classe 3B, donc comme on commence l'école à, à mes scolariser à partir de 6 ans, euh, vous voyez, CPCE1, c'est euh, le CE2 euh, français qui est représenté en ce 1774 dans, cette, dans, cette, dans, dans ce foyer de, de l'entreprise. Et vous voyez sur la photo de gauche, l'institutrice qui a revêtu euh, certainement euh, une de ses plus belles robes et, et, et son, son, son beau collier, qui, euh, euh, avec le, le chef de brigade, encadre finalement... Euh, le délégué de la classe qui appose euh, sa signature sur un document. Et ce document n'est pas un document anodin, c'est la convention qui lie la brigade de travail et la classe. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un parrainage. Et, euh, et, et ce parrainage, euh, il est censé idéologiquement illustrer le lien étroit, j'allais dire indissoluble, entre la classe ouvrière et la jeunesse, c'est-à-dire entre les ouvriers du présent et les ouvriers de demain. Et que euh, cette convention, en fait, elle les lie par un échange de bons, de services réciproques. Les enfants vont euh, organiser des, euh, euh, alors ils vont se rendre dans l'entreprise pour euh, euh, chanter et. et... Et le, 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 le jour de l'anniversaire de, la, de la RDA ou le, pour la révolution euh, d'octobre, ils vont organiser des petits spectacles, ils vont euh, s'engager à participer au défilé du 1er mai sous la bannière de l'entreprise. Et en retour, l'entreprise va financer alors, ça peut être l'achat de matériel scolaire, organiser une, une, une visite de l'entreprise, organiser parfois une sortie scolaire, euh, réserver un, un, un contingent euh, de place pour euh, une, une colonie de vacances. Bref, il euh, y, y a ce lien très fort qui unit la classe ouvrière à la jeunesse est-allemande et notamment aux, aux enfants avec, avec cette idée évidemment de leur faire aimer euh, ces ouvriers et les inviter à plus tard se projeter sur ces métiers euh, productifs. Je vous l'ai dit, l'école est... Euh, est une dimension euh, centrale. Euh, alors, les enfants sont encadrés, en fait, euh, pratiquement dès leur naissance, puisque euh, une, une bonne partie des enfants est-allemands euh, fréquentent une crèche de 0 à 3 ans. puis, euh, alors, la quasi-majorité des enfants fréquentent un jardin d'enfants de 4 à 6 ans, et puis, à partir de 6 ans, on rentre dans ce qu'on appelle l'école polytechnique. Donc, c'est une école obligatoire sur 10 ans de 6 à 16 ans. où, en fait, une cohorte va rester dans la même classe pendant 10 années. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, en fait, euh, euh, vous avez un, une, une sélection qui se fait. Vous avez 90% des élèves qui euh, vont partir euh, dans la production, c'est-à-dire dans le monde du travail, euh, euh, d'abord comme apprentis, et puis euh, euh, ils vont euh, euh, très vite devenir de, de jeunes adultes salariés euh, une fois la, la majorité atteinte. Et puis vous avez à peu près par classe, ça correspond en moyenne à 1 à 2 élèves. Moins de 10% en fait euh, d'une classe d'âge en RDA va atteindre le lycée ou bon, l'équivalent du lycée et donc l'enseignement supérieur. Et pour atteindre le lycée, bah, il faut évidemment euh, pas seulement euh, avoir d'excellents résultats scolaires, euh, il faut euh, être, comme on le dit en allemand, lignentreu, c'est-à-dire fidèle à la ligne du parti. Euh, parfois, pour les garçons, accepter un engagement dans l'armée comme euh, Officier euh, ou sous-officier, plutôt euh, sur une période de, de, de trois ans après le service militaire, qui est déjà de, de, de 18 mois. Euh, donc, l'école, c'est un lieu de formation idéologique, c'est un lieu de formation politique, c'est un lieu de, de formation euh, euh, académique, et puis euh, c'est un lieu aussi où euh, on va euh, encadrer euh, la jeunesse sur le temps extrascolaire. En gros, les enfants et les adolescents fréquentent l'école de 7h à 13h. Et une fois passées euh, euh, les heures de cours, ils sont encadrés par des organisations de jeunesse, l'organisation des pionniers pour les enfants de 7 à 13 ans. Et puis à partir de 14 ans, vous entrez, vous entrez dans ce qu'on appelle la jeunesse libre allemande. Et le moment de bascule, c'est pour ça que je vous prends cette, cette double photo, le moment de bascule se fait à l'âge de 14 ans avec un, un rite de passage. Euh, qui s'appelle la, la cérémonie de la consécration, qui euh, a été introduite en 1954 par la RDA pour faire concurrence à la confirmation des églises évangéliques. C'est ce qu'on appelle la Jugendweihe. Sur la photo de gauche, vous avez euh, une cérémonie euh, en 1954, euh, pardon, 1957, euh, dans un théâtre de Dresde. Là, je n'ai pas trouvé en fait, de, de photo pour, pour, pour Zeit. Et vous voyez une jeune pionnière remettre un... Un, un bouquet de fleurs et puis surtout un livre euh, qui euh, euh, illustre en fait ce moment de passage de l'enfance à l'adolescence avec une sorte d'éveil politique encore plus marqué. Et puis vous voyez que les, les enfants sont, sont, sont bien habillés. C'est un moment très important, pour, euh, pas, pas seulement pour le parti dans une perspective idéologique, mais dans l'ordinaire le, le, des familles. C'est un événement central euh, des familles avec. Euh, euh, une, une forme de privatisation de cette manifestation, puisque derrière la cérémonie publique qui peut se dérouler dans une école, dans un théâtre ou dans une mairie, euh, on a le repas familial, qui de plus en plus est un repas où euh, on va, avec le développement de la société de consommation socialiste, donner des cadeaux à, à, ces, euh, à ces jeunes adolescents. Et si je vous montre la photo de 2019, toujours à Dresde, c'est pour vous montrer que c'est un des héritages de la RDA, puisque aujourd'hui encore... Alors, de façon évidemment complètement apolitique, mais avec un certain nombre de valeurs humanistes et universelles, de nombreux jeunes Allemands de l'Est continuent à, à faire leur Jugendweihe, à organiser une, une Jugendweihe. Vous voyez, comme ils sont, ils sont bien habillés, ça s'accompagne aussi d'un moment festif en, en, en famille. Et d'une certaine manière, c'est une tradition qui euh, se transmet de générations en, en génération, mais évidemment euh, sans cette dimension idéologique qui, euh, euh, lorsqu'elle a été introduite dans les années 50, visait évidemment à, à exclure les églises protestantes euh, ou, à, ou à empêcher les églises protestantes d'exercer toute forme d'influence sur la jeunesse. Et donc, de cette manière, le régime euh, s'est assuré un quasi-monopole de, de l'éducation. Euh, si je vous montre aussi cette photo, c'est aussi un, un clin d'œil par rapport à l'ancienne chancelière euh, euh, Angela Merkel, qui, elle, a fait partie de l'organisation des pionniers et de la FDY. Son père était pasteur. Généralement, quand on est pasteur, on, est plutôt, on fait plutôt partie des, des, des cercles qui ont été mis à l'écart et notamment qui n'ont pas pu faire d'études supérieures. Euh, mais dans le cas particulier d'Angela Merkel, le fait qu'elle ait accepté de rentrer dans les organisations de jeunesse euh, euh, a fait qu'elle a pu faire des études euh, et donc euh, décrocher un doctorat en physique au début des années 80. Euh, la sœur d'Angela Merkel, le frère d'Angela Merkel, euh, a fait sa human value. Elle, elle ne l'a pas faite. Euh, donc vous voyez, euh, euh, faire ou pas faire à ça à Huguenvalle, c'était aussi un signe euh, d'adhésion au régime ou de conformisme au, au régime, euh, avec des conséquences plus ou moins négatives en fonction des époques. Euh, dans le cas d'Angela Merkel, dans les années 60, euh, enfin, fin des années 60, puisqu'elle est née en, en 1954, ça n'a pas eu beaucoup, euh, beaucoup d'incidence. Euh, cette, cette, cette jeunesse, elle constitue avec la classe ouvrière donc le, le deuxième pilier euh, du, du, du régime. Et euh, lorsque la RDA se stabilise après la construction euh, du, du mur de Berlin, euh, les élites politiques au pouvoir, alors incarnées dans un premier temps par Walter Ulbricht au plus haut sommet, et puis à partir de 1971 par Erich, Erich Honecker, ils ont un double objectif. Le premier, c'est la modernisation technologico-scientifique. Et la deuxième, surtout à partir des années 70, parce que, le, ce, que ce que la RDA a appelé la révolution technico-scientifique, euh, finalement, euh, même si elle aboutit à des gains de productivité, elle ne se réalise pas concrètement dans la mesure où vous avez un gap technologique qui est en train de se creuser entre les pays du bloc de l'Est et le monde occidental à partir de la fin des années 60. Euh, par contre, le deuxième volet euh, euh, est tout aussi ambitieux, c'est d'arriver de, euh, de, à proposer aux citoyens. Je vous le rappelle, enfermé dans ce petit pays depuis 1961 avec très peu de possibilités de, de s'évader, quasiment impossible. Vous le, vous le verrez dans le, le film Barbara. Euh, eh bien, c'est de, de, de proposer un modèle de société de consommation. Euh, alors, ça s'incarne dans les espaces urbains. Là, vous avez en, en haut à gauche une photo euh, de ce qui va être très à la mode dans les villes est-allemandes, mais pas seulement est-allemandes. C'est un modèle que vous retrouvez dans les villes ouest-allemandes, mais aussi en France. Le modèle, de réorganisation de l'espace urbain autour de zones piétonnes. Vous avez sur cette photo euh, qui fait un peu vide euh, la zone piétonne de Zeitz avec toute une série de magasins. Euh, alors, si on décrypte un petit peu les, 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 les deux magasins, même si vous ne connaissez pas l'allemand, euh, vous avez, euh, euh, vous voyez ici euh, euh, sur votre droite euh, l'affichage Fernsehen Rundfunk Donc, vous avez de l'électroménager. En fait, vous avez des téléviseurs. Et vous avez en effet un accès euh, de la société est-allemande au poste de télévision. Et quand on a l'antenne orientée vers l'ouest, on peut arriver en plus euh, à capter les chaînes ouest-allemandes. On n'est pas soumis uniquement à la, euh, à la propagande officielle de la télévision publique est-allemande. Il n'y a que dans la vallée de Dresde, en fait. Euh, que, euh, on ne peut pas capter en fait euh, la télévision ouest-allemande et notamment euh, tout ce qu'elle charrie en, en modèle de société de consommation et en produits euh, et en, 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 voilà, en mode euh, vestimentaire ou, ou culturel. Euh, le, 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 deuxième, le deuxième magasin, c'est un, un « Rise au bureau », c'est un bureau de voyage. Alors, vous allez me dire, un bureau de voyage dans un pays qui enferme sa population, ça a quelque chose de, de, de presque tragique. En fait, ce Rise Bureau, il correspond à, au développement d'un tourisme, mais d'un tourisme évidemment en destination des pays d'Europe de, de, de l'Est, avec cette très longue sortie de guerre. En gros, la, la principale différence hein, entre les sociétés occidentales et les sociétés euh, communistes d'Europe centrale et orientale, c'est que nous, on sort du rationnement et on sort, on pense, on tourne la page de la Seconde Guerre mondiale, en gros, dans les années 50. Euh, on réhabilite les centres urbains, on élimine les ruines et euh, on sort du rationnement, début des années 50, avec le, le, ce qu'on a appelé en Allemagne de l'Ouest le miracle économique et ce qu'on a appelé euh, chez nous, avec Jean Fourastier, les, les 30 glorieuses. Eh bien, sachez qu'en RDA, on tourne la page de la Seconde Guerre mondiale au début des années 70. C'est-à-dire, on sort véritablement du rationnement seulement à la fin des années 50, donc le rationnement au sens de produits de base, hein. je parle du beurre, de la viande, euh, du pain. On sort du rationnement dans les années 50 et on tourne la page de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les stigmates dans l'espace urbain, les ruines. Euh, les décombres, c'est définitivement euh, euh, du passé au début des années 70. Et on peut se projeter vers un avenir que les élites est-allemandes souhaitent radieux, un avenir autour d'un modèle de société de consommation. Et dans ce modèle-là, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, euh, l'augmentation du niveau de vie, euh, et surtout l'accès alors, pas rapide, hein, puisqu'il faut parfois des, des années pour euh, accéder euh, à une voiture mais l'accès à la Trabant ou la, la Warburg, une voiture familiale un peu plus grande, un peu plus large, on peut circuler sans visa et passer ses vacances dans un pays du bloc de l'Est. Alors, je ne vous parle pas de l'Union soviétique, qui reste un pays fermé jusqu'à l'époque gorbatchevienne, et seules les élites politiques ou les élites de l'Astasie peuvent aller en vacances en Crimée euh, ou euh, sur les bords de la, de la mer Noire. Euh, mais pour euh, l'Allemand de l'Est ordinaire, pour ses euh, vacances, il y a évidemment tous les camps de vacances des entreprises euh, en, en RDA, à la montagne ou à la mer, mais il y a la possibilité de partir en Pologne, en Tchécoslovaquie, et évidemment une des destinations privilégiées, c'est la Hongrie et le lac Balaton. La Hongrie, pourquoi Parce que c'est le pays le plus libéral du bloc de l'Est et qu'on peut trouver un certain nombre de, de produits euh, qu'on ne trouve pas en, en RDA, notamment des produits euh, occidentaux. Même si... Euh, euh, certains produits occidentaux sont disponibles en RDA dans un certain nombre de magasins spécialisés où on ne peut payer qu'en devise étrangère et notamment en, euh, en, en deutschmark. Euh, si je, je m'attarde un tout petit peu sur l'image du bas, vous avez un étal de légumes et de fruits. Euh, là, vous avez euh, dire le, le, le basique quotidien euh, ordinaire, hein, des choux, des pommes. Euh, là où la, le, le modèle de société de consommation socialiste échoue, c'est évidemment dans sa capacité à proposer une large palette de, de, de produits. Je vous ai déjà parlé de l'économie de, de pénurie, euh, des arrivages très irréguliers d'oranges, surtout quand euh, la RDA réussit à, à négocier un accord commercial avec Cuba. Mais même quand ces oranges arrivent et qu'on se réjouit de manger autre chose que des pommes, eh bien, euh, ces oranges en fait sont vertes de mauvaise qualité, avec plein de pépins. Euh, mais c'est déjà un, un, une sorte de, 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 de changement, ou en tout cas d'accès de, à des produits, à des produits extrêmement, extrêmement rares. Donc le régime met l'accent sur une reconfiguration des, des centres urbains avec le développement de magasins plus fonctionnels. Vous le voyez ici sur votre, votre gauche, avec ces avec vêtements, on a, on a de grands magasins qui se, qui se développent, avec de grands espaces consacrés à la mode, puisqu'on euh, on voit bien que la jeunesse devient un acteur économique essentiel et que euh, la, la mode, pour les jeunes, euh, devient un segment de l'économie euh, très important. Donc, on va copier le modèle des, des jeans euh, ouest allemand Alors, on appelle pas ça « jeans », parce que sinon, ça fait trop capitaliste. Donc, on va, on va parler en allemand de, de « Niedhosen ». De... Mais globalement, on arrive avec un peu, un peu de retard et une moins bonne qualité euh, sur le plan textile à suivre ou à copier les modes, euh, les modes euh, du monde occidental. Je ne sais pas si vous avez été attentif à la couverture de, de, de mon livre, 24 heures de la vie en RDA, mais pour ceux qui connaissent un petit peu la mode des années 70, quand vous voyez euh, les, les vestes ou les imperméables des, des femmes qui posent sur la couverture euh, s'il n'y avait pas le petit drapeau euh, est allemand euh, derrière euh, les, les femmes sur la couverture euh, peut-être que vous ne seriez pas capable de me dire que ce, ça, 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 cette photo vient de RDA elle pourrait venir d'une banlieue française des années euh, des années euh, des années 70 ou d'Allemagne ou d'Allemagne de, 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 de l'Ouest. autre lieu central du, du quotidien euh, j'ai parlé de l'entreprise j'ai parlé de l'école, j'ai parlé euh, de la zone piétonne, des magasins. Euh, il faut qu'on s'arrête un, un petit peu sur euh, la question du logement, puisque dans un quotidien, euh, le logement est évidemment central. C'était d'autant plus central en RDA que euh, euh, la question du logement était une question épineuse. Pourquoi ben, Je vous l'ai dit il y, y a quelques minutes, il y a une, un degré d'insalubrité du parc euh, de logement en RDA. Euh, qui euh, s'explique par le fait que, euh, comme euh, l'essentiel de l'économie est orienté vers l'industrie lourde dans les années 50, en dehors de quelques constructions de prestige sur certaines grandes avenues, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Berlin s'ils il, il voient un petit peu, euh, et puis vous le voyez à la fin du film La vie des autres d'ailleurs, euh, ces logements qui ont été construits au début des années 50 le long de la Karl Marx Allée, euh, qui était présentés par le régime comme des palais pour ouvriers parce que pour la première fois, on allait offrir aux ouvriers les mêmes standards que les bourgeois avec des, des, des WC et la salle de bain et l'eau chaude dans le logement. En dehors de ces avenues de prestige à Berlin-Est ou bien à Magdebourg, on a en gros une situation du logement extrêmement compliquée. On a un parc immobilier qui a été nationalisé, donc les propriétaires privés n'existent plus au sens... Euh, euh, comment dire juridique du, du, du terme. Et puis, euh, euh, dans une logique de, de, de justice sociale, les loyers ont été bloqués et ils ont été bloqués sur la base des prix de 1936. Donc, entre 1936 et 1989, il n'y a pas d'augmentation de loyers en, en RDA. D'où le choc au moment de la réunification, quand euh, les prix du marché vont, euh, vont s'appliquer dans la partie orientale de l'Allemagne au niveau, au niveau immobilier. Ça va être un, un choc pour, pour beaucoup de, de personnes, et notamment les retraités qui avaient de, de petites pensions. Euh, donc, on a, on a un parc euh, immobilier euh, relativement euh, insalubre. Euh, on a des témoignages assez frappants euh, euh, par rapport à, à l'humidité des murs, par rapport au, au poêle à charbon, par rapport à, à, à la nécessité euh, d'aller faire sa toilette ou d'aller au WC sur le palier. Bref, euh, on a le, le, le pays a un vrai problème. Euh, il, va tenter de se il va tenter de résoudre ce problème au début des années 70 en prenant euh, le problème à, à bras-le-corps, puisque, avec une, une méthode très productiviste de construction de logements par, euh, par plaque, hein, ce qu'on appelle en allemand euh, les, les Plattenbauten, Erich Honecker, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1971, promet de construire d'ici 1990 3 millions de logements neufs. Logements neufs, ça veut dire euh, ces logements ultra modernes avec euh, une cuisine, un salon, deux chambres et euh, la salle de bain et les WC à l'intérieur de l'appartement, non pas sur le, le palier. Et si je vous montre ces, ces photos, on est à Zeitz, on est en 1974 et ça fait partie de ce programme de construction de 3 millions de logements. L'ironie de l'histoire, c'est que Erich Schonecker va tenir sa promesse. Le, on arrivera au, au, au 3 millionième euh, logement euh, en 1990, euh, au moment où on commence à déconstruire les premiers logements, puisque euh, les Allemands de l'Est vont fuir. Euh, ces Plattenbauten qui sont symboles de la RDA et ils vont euh, chercher à, à revenir dans les centres-villes qui eux sont euh, l'objet de la réhabilitation grâce à des fonds allemands et des fonds, euh, des fonds européens. Aujourd'hui, si vous allez euh, dans les quartiers périphériques de, de Marzahn, de Hellersdorf à Berlin, dans la partie orientale, bah, vous avez euh, des tours qui sont parfois vides, qui sont... Euh, en cours parfois de destruction, et c'est le cas notamment à Zeitz, où vous avez ici dans le quartier, euh, un, un quartier nouveau qui émerge de terre, vous voyez encore, on n'a même pas eu le temps de, de goudronner le, le, le trottoir, on a les traces euh, du, du tractopelle, et c'est un jour très important pour ces habitants de Zeitz, on leur remet les clés de leur nouvel appartement. Et vous avez ici un, un jeune couple euh, qui euh, découvre son, son appartement, qui découvre la baignoire intégrée dans, dans l'appartement. Euh, C'est très important parce que c'était une promesse de résoudre la question du logement, qui, en fait, si euh, vous, y, vous réfléchissez bien, depuis la révolution industrielle en Allemagne, a été un, un problème central euh, pour bien intégrer les classes laborieuses ou les, les classes modestes dans euh, le, le, le nouvel État. Euh, ce qu'on appelle les mythes casernes au moment de l'expansion de, de Berlin, au moment de la révolution industrielle, euh, illustrait déjà ces très mauvaises conditions de, de, de vie. Alors ces logements modernes, euh, ils sont importants, donc il y a une demande très forte, donc vous pouvez imaginer que les dossiers euh, euh, s'empilent sur le bureau euh, du, euh, de, de l'unité à la mairie en charge, ou du, du département à la mairie en charge de la distribution de ces logements. Donc il y a des priorités. La priorité est donnée aux jeunes couples. C'est pour ça que, d'un point de vue stratégique, il est toujours bon de se marier tôt en RDA. Donc, la moyenne d'âge des mariages, les femmes se marient en moyenne à 21 ans en RDA, ce qui est, ce qui est, ce qui est très, très précoce par rapport euh, aux, aux femmes ouest-allemandes. Elles se marient tôt et euh, en se mariant tôt et en ayant un enfant tôt, on a accès plus rapidement à ces, euh, à ces, nouveaux, euh, à ces nouveaux immeubles. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, il y a eu un, un gros effort financier qui a été, qui a été fait ces nouveaux logements euh, ils étaient censés être euh, de nouveaux pôles urbains ultra modernes euh, auxquels on allait articuler euh, des grands magasins euh, des écoles euh, reliés au, au centre par soit des lignes de bus ou dans le cas des grandes villes par euh, le métro ou par euh, le, le RER et euh, il y avait cette idée, de, 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 évidemment, d'engager les, les, les habitants à eux-mêmes participer à l'embellissement de leur quartier, à planter des arbres, à organiser les espaces verts. Et donc, je vous ai dit que le travail était une valeur centrale. Ben, on travaillait du lundi au samedi. Et puis le dimanche, on travaillait encore, ou on travaillait les jours fériés, euh, dans le cadre de campagnes de mobilisation pour améliorer le quotidien des... Euh, euh, le, donc, le quotidien matériel, les, les espaces verts ou l'environnement proche de ces, euh, de ces logements. La RDA, c'est une, une société du travail, c'est une société qui tente de mettre en place avec beaucoup de limites euh, une société de consommation qui n'arrivera jamais à atteindre les niveaux et les standards euh, ouest européens. C'est aussi une société d'accueil. Alors, ce n'est pas une société d'immigration au sens où nous l'avons été en France depuis la fin du XIXe siècle, mais c'est une société où il manque de la main d'œuvre. Et pour combler ce manque, on va le gouvernement est allemand va signer toute une série de, de contrats de conventions avec un certain de pays frères, donc les pays frères de l'époque sont les suivants, l'Algérie, Cuba, le Vietnam, le Mozambique, lorsqu'il devient, lorsqu devient indépendant, et vous avez ici devant vous un, un jeune, ce qu'on appelle un jeune coopératiste, en allemand, un Fairtracks Arbeiter. il s'appelle Léonel Kala, il a une petite vingtaine d'années, il a fait un petit cours intensif d'allemand avant de partir, on lui a promis un bon salaire, et pendant 3-4 ans, il va travailler dans euh, l'usine Udrirwerk, donc il va être formé et ensuite intégré à une brigade de travail. Alors, le, je voudrais partager avec vous ces quelques réflexions parce que ça, 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 ça explique aussi en partie euh, des formes de xénophobie qu'on trouve aujourd'hui encore en Allemagne orientale. Euh, ces étrangers euh, étaient officiellement considérés comme... Euh, les qui, ils avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs que euh, les citoyens est-allemands. Euh, mais euh, c'était euh, en fin de compte des figures qui se trouvaient sur la marge de la société allemande. Ils n'étaient pas en marge de la société, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas exclus. Hein, ils étaient intégrés dans des brigades de travail, ils étaient in intégrés euh, aux, aux activités de loisirs, mais ils étaient sur la marge parce que euh, il y avait une profonde méfiance euh, par rapport à ces étrangers. Et on se méfiait notamment d'eux euh, par euh, leur, le, leur degré, euh, comment dire, leur qualité d'attractivité. Ou leur, leur leur capacité à séduire des, des femmes des, des femmes est-allemandes euh, et euh, il n'était pas rare de voir dans des soirées on le voit puisqu'on on en a des traces dans les archives policières et les archives de l'Astasie, euh, des violences à, à caractère raciste quand euh, certains Cubains ou certains Algériens euh, voilà euh, fricotaient un peu trop avec euh, de, de jeunes de jeunes allemandes de l'Est on a même des cas de, de, de ratonnades dans les années 70, dans la ville de Erfurt, dans le cadre de la ville de, de Zeit, dans une au début des années 80, dans une des discothèques de, de la ville, euh, on a des violences euh, contre les, 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 les Cubains euh, qui étaient censés, euh, voilà, vouloir séduire. Des, des, des jeunes Allemands de, 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 de l'est et, et ça s'est traduit par une, une chasse à l'homme avec euh, un accident mortel puisque un des Cubains euh, en voulant s'enfuir euh, est tombé à l'eau et euh, il a été caillassé, enfin caillassé pardon et euh, il est mort noyé euh, et évidemment la RDA a étouffé l'affaire n'a pas rendu public et, et a conclu à un, un malheureux à malheureux accident mais euh, ces, ces étrangers qui représentent 1% de la population en, en RDA, qui sont à la fois visibles et invisibles euh, dans le discours officiel, sont présentés comme euh, des frères euh, qui viennent soutenir l'effort productiviste de la RDA et qui viennent donc participer à la construction du socialisme. Et dans le même temps, dans les faits, les relations euh, euh, au quotidien sont parfois très tendues. Ils sont euh, à la fois, je vous ai dit, intégrés dans le monde du travail et sur le plan du logement. Ils vivent de manière séparée dans des immeubles spécifiquement réservés pour ces étrangers, surveillés par un concierge qui note toutes les entrées et toutes les sorties. Alors, ils n'ont pas le droit, par exemple, de sortir après 22 heures. Ils n'ont pas le droit de ramener dans ces immeubles des jeunes femmes est-allemandes pour passer la nuit. Donc, ils sont sous contrôle, extrêmement surveillés. Et au moindre dérapage, notamment à caractère sexuel, ils sont expulsés manu militari. Euh, mais ça marche aussi inversement pour les femmes. Hein. Des, des femmes, par exemple, vietnamiennes euh, qui tombent enceintes euh, sont euh, automatiquement renvoyées au Vietnam. Euh, on, on veut surtout pas favoriser des mariages mixtes ou des fréquentations euh, euh, amoureuses ou des relations amoureuses, peut-être durables, euh, dans cette société. Donc c'est une, une fausse société de l'accueil, avec euh, un racisme, une xénophobie euh, très présente et puis quelque chose que la Stasi euh, enregistrait et voyait la montée d'une petite minorité d'extrême droite, de skinhead, qui soit par provocation, soit par goût de la transgression, euh, soit par contact aussi avec des groupes néonazis en allemagne de l'ouest se développait à l'est. donc, le néonazisme, il existait en fait en rda dès le début des années, euh, des années 80. et euh, les étrangers étaient une des cibles, évidemment, de ces violences commises par ces extrémistes de, de, de droite. Euh, je voudrais terminer par euh, euh, le dernier volet, ça fera écho euh, au film La vie des autres, mais je, cette fois, je ne vous le montre pas de manière euh, romancée, mais de manière beaucoup plus locale. Euh, la RDA était une société euh, sous surveillance. Et c'est vrai que euh, l'Astasie, avec euh, les moyens euh, extraordinaires qu'elle qu avait, des moyens humains extraordinaires, euh, à peu près 90 000... Euh, employés euh, euh, et euh, environ 170 000 euh, collaborateurs euh, officieux. Euh, elle était capable, cette police politique, de surveiller la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surveiller la société Ça veut dire instiller le poison de la méfiance. Et ça veut dire que, en instillant le poison de la méfiance, on crée au sein de chaque individu, justement. Euh, ce soupçon, euh, selon lequel votre voisin, votre collègue de travail peut éventuellement vous espionner, et donc on, on atomise de cette manière la, la société, on la, on la fragmente, on, euh, on, on, on développe cette culture de la méfiance et donc on complique le développement de relations interpersonnelles très très fortes. Et, et ceci, ceci, on le retrouve à, à tous les niveaux. De l'entreprise à l'école, en passant par l'hôpital, euh, avec cette Stasi qui est présente dans, dans chaque grande ville et qui couvre en effet un, 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 un domaine de surveillance extrêmement étendu et de plus en plus étendu. si vous avez euh, une photo de, de l'ancienne antenne de la Stasi à que c'est une villa en fait sur les hauteurs de la, de la ville. Il se trouve que j'ai eu la chance d'accéder à un certain nombre de, de documents aux archives de la Stasi euh, du, de l'arrondissement de, de Halle, notamment. Euh, sorte De journal de bord tenu par le, le, le capitaine qui dirigeait cette antenne locale à la fin des années 80. Alors, cette Stasi, elle est composée en effet de cadres, donc de tchéquistes, c'est-à-dire de personnes qui euh, ont une solide euh, comment dire, culture idéologique binaire. Hein, pour euh, les tchéquistes, le monde, il est blanc ou noir. Si vous n'êtes pas du côté euh, des amis du régime, bah vous êtes des ennemis. Donc, ces ennemis, il faut les déstabiliser psychologiquement pour que euh, étouffer dans l'œuf toute tentative de, 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 de révolte ou euh, toute tout étincelle de révolte qui aboutirait à une destruction du, du régime. Donc c'est une entreprise, l'achétasie, prophylactique et préventive. Elle va chercher à étouffer dans l'œuf toute révolte possible. Et dès qu'elle a un soupçon, elle va à l'aide de ses cadres et de ses collaborateurs officieux qu'elle ne cesse euh, dont elle ne cesse de d'augmenter le nombre, elle va chercher à savoir si euh, euh, il faut euh, euh, emprisonner euh, la, la, la personne. alors, souvent, le, la, la prison n'est ne, pas, pas la solution dans le sens où euh, ils n'ont même pas besoin d'emprisonner les gens. Euh, le simple fait de les mettre sous surveillance les, 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 calme leur ardeur parfois. Euh, et parfois, euh, ils, ils se trompent. et euh, ce qu'ils prétendent ou ce qu'ils soupçonnent être une entreprise de déstabilisation ne l'est pas en fait. Euh, alors à l'exemple de, de Zeit, ce qu'on peut voir, c'est que euh, à partir des années 70 et notamment euh, à cause des impératifs euh, qui viennent de Berlin, qui viennent du haut, donc de, de, de la centrale de la Normannenstrasse de Milke, euh, il faut faire du chiffre. C'est la politique du chiffre qui prime. Donc ils vont recruter à tour de bras des collaborateurs officieux. Milke les, en, les enjoignant même de chercher à recruter le plus tôt possible. Donc euh, on baisse la limite d'âge qui était au départ de 18 ans, et on descend à 16 ans, et exceptionnellement, on peut même descendre à 14 ans, quand on est sûr que l'adolescent ou l'adolescente est une source fiable. Et donc, les, les agents locaux de l'Astasi euh, passent une partie de leur quotidien à recruter ou à chercher à recruter des agents. Alors, pour ce faire, ils ont des relais dans la société. Le directeur de l'école, le directeur de l'hôpital, le directeur de l'entreprise, on va le voir, et au nom, euh, évidemment, de cette de ce lien très fort entre le parti et la police politique, on va lui demander si un tel euh, est fiable ou pas. Et puis on va progressivement, euh, par petites touches, euh, rencontrer la personne, lui proposer de travailler pour la police politique. Alors la personne peut refuser. Et parfois, euh, si la police politique sent qu'il n'y a pas plus d'intérêt à, à pousser plus loin les investigations et donc la, 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 le, le fait d'enrôler la personne, ils vont abandonner. Euh, L'Astasi, au niveau local, va recruter plus des hommes que des femmes contrairement à ce qu'on voit dans la vie des autres. Pourquoi Parce que Milke euh, a une position très misogyne. Il considère que les femmes sont trop émotives et qu'elles ne sont pas des sources très fiables euh, parce que leur jugement serait faussé par une émotivité euh, euh, féminine. Donc, les collaborateurs officieux sont essentiellement euh, des, des hommes. Alors, soit on exerce sur eux des pressions pour les recruter, parfois on ne le fait pas parce que par conviction idéologique ses collaborateurs officieux euh, le, le font de mêmes et vont parfois même se présenter à l'antenne locale de l'Astasie pour travailler avec eux et donc pratiquer ce qui est une forme de, 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 de délation. Et puis, euh, euh, sinon, on, on, on argumente euh, et quand on a des personnes psychologiquement un peu hésitantes, un peu faibles ou qui ont besoin de reconnaissance, on va valoriser évidemment ce travail en leur disant qu'il contribue à la défense de la RDA, à protéger la RDA contre les méchants impérialistes occidentaux qui distillent leur poison au sein d'une partie de la société est-allemande. Mais ce qu'on regarde finalement, ou ce qu'on voit, et ce qui peut paraître paradoxal notamment par rapport à l'impression que donne la vie des autres, c'est que cette société sous surveillance... Euh, euh, finalement, la Stasi produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'informations. Elle produit beaucoup de connaissances sur tout et n'importe quoi. Mais après, la manière dont ça, on c'est traité au niveau de l'analyse et c'est remonté, euh, ne débouche pas finalement sur une bonne aide à la décision. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que euh, la Stasi est un formidable outil de collecte d'informations. Ce qui fait que pour faire l'histoire du quotidien aujourd'hui, euh, c'est une bonne source. Je ne dis pas qu'elle est fiable. Mais je dis que c'est une bonne source qu'il faut croiser avec d'autres sources, mais on apprend plein de choses sur le quotidien. Pour avoir euh, dépouillé des, 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 des rapports d'une de, jeune adolescente de, de Berlin dans mon livre L'Astasie à l'école, euh, ce qui était intéressant, ce n'est pas tant de savoir si euh, tel ou tel prof euh, euh, écoutait la radio de l'Ouest ou était un ennemi du peuple. Euh, ce qu'on apprenait surtout, c'était le mal-être enseignant, euh, parfois des, des, des formes d'alcoolisme assez répandues dans le corps enseignant, euh, dans une certaine catégorie d'enseignants de, qui manquaient de reconnaissance. Euh, et donc, on peut faire de l'histoire du quotidien avec ces archives de l'asthasie. La, Par contre, l'asthasie, comme elle voyait tout en noir et blanc, euh, elle faisait de très mauvaises analyses, c'est-à-dire que euh, ce qu'elle voyait parfois comme des formes de déviance euh, n'était simplement que l'expression d'une volonté de se différencier, de s'individualiser ou euh, finalement euh, ça, ça marquait pas une forme d'opposition politique au régime puisque je vous l'ai dit depuis le 17 juin 53 l'opposition était le fait d'une d'une ultra ultra euh, euh, minorité. Donc une société sous surveillance mais finalement euh, une société qui n'était plus c'est un peu le paradoxe de l'histoire de la RDA euh, qui n'était plus euh, comment dire euh, dirigée dans le sens où euh, euh, elle n'était plus gouvernée euh, elle était contrôlée, elle était encadrée, mais le régime n'était plus capable d'emporter l'adhésion et d'emmener en fait la population euh, là où euh, il voulait l'emmener. D'autant plus que les, les difficultés économiques et sociales s'accumulent à partir du début des années 80 et que la RDA est dans une situation de banqueroute en fait dès 1983 et que sans le prêt extraordinaire accordé par euh, le gouvernement ouest allemand en, en 83, euh, elle aurait déjà fait banqueroute sur le plan économique. Euh, dès le milieu des années euh, des années 80. Et donc, quand on arrive au moment 89, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que vous avez une population qui est de plus en plus euh, frustrée, qui ne croit plus au socialisme, qui rêve euh, d'une Mercedes, d'une Golf ou, ou des produits de consommation ouest euh, allemande parce qu'ils regardent la télévision ouest-allemande. Euh, Et quand ils sentent, euh, notamment progressivement à partir de septembre 89, dans ces manifestations du lundi à Leipzig, que la police ne tirera pas sur eux, qu'il n'y aura pas de nouveau 17 juin 1953, euh, il y a une forme de, de courage politique qui se démultiplie à l'échelle de la RDA et qui euh, va exercer une pression euh, telle que, à la fin, le camp des faucons euh, est mis en minorité en RDA, que Erich Honecker est mis sur la touche, que les réformateurs essayent vaguement de récupérer euh, le mouvement en parlant de 22, hein, quand on parle de changement en Allemagne de 22. Bah, le premier à l'avoir utilisé cette formule, c'est Egon Krenz, le dauphin de Erich Honecker. Mais comme les réformateurs se font rapidement dépasser euh, et qu'ils ne sont pas euh, légitimes à conduire ce mouvement de, de réforme du socialisme, eh bien le régime s'écroule de lui-même. Et par rapport à ces images un peu stéréotypées qu'on avait avec les miradors, le, le mur de Berlin, euh, les, 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 les militaires à la frontière, euh, une, un régime hautement militarisé et, et policier. Euh, en l'espace de, de quelques semaines ce régime euh, qui prétendait incarner euh, la modernité socialiste euh, s'écroule et laisse derrière lui euh, un immense euh, une immense banqueroute euh, socio-économique et, euh, et et morale. Donc je vais terminer je vais terminer sur euh, sur ces euh, sur cette conclusion en, en vous rappelant que euh, finalement quand on fait l'histoire du quotidien euh, on, on comprend à la fois mieux le passé et surtout les héritages de ce quotidien dans le, le présent, parce que même si la RDA n'existe plus depuis octobre 1990, d'une certaine manière, dans un certain nombre d'habitus, elle continue euh, d'irriguer euh, le quotidien euh, d'un certain nombre d'Allemands de l'Est euh, aujourd'hui en, en 2023. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à Emmanuel Droit. Alors je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, quelques minutes à peine, mais on va quand même prendre le temps de éventuellement vous donner la parole. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question. Je vous donne tout de suite la parole, monsieur euh, Bonsoir. Le, le, là, où vous avez parlé de, de la RDA, mais comment se situe la RDA par rapport aux autres pays du, du, du bloc de l'Est Plus riche, moins riche, plus contrôlé, oui. moins contrôlé Et puis, une, une question tout en détail quand vous avez parlé de tourisme à l'intérieur du bloc de l'Est, est-ce qu'ils avaient quand même la possibilité de descendre en Yougoslavie, qui était un petit peu particulier Oui, c'est vraiment deux excellentes questions. Merci de me les avoir posées. Euh, alors sur la question de la comparaison, euh, rapidement, la RDA est certainement le pays euh, le plus authentiquement marxiste, c'est-à-dire que euh, de par sa tradition avec le mouvement ouvrier allemand du 19e siècle, euh, la RDA euh, considère que euh, sa mission, c'est justement de réaliser euh, le programme marxiste euh, dans son intégralité. Et il y a beaucoup de références évidemment à, à Marx et à Engels dans tout le discours sur euh, l'émancipation de la femme. Euh, sur euh, euh, le fonctionnement des, des, des entreprises, sur l'éducation polytechnique, même si Marx avait une autre conception de l'éducation euh, polytechnique. Donc, c'est le pays le plus authentiquement marxiste. C'est le, euh, le pays frontalier avec le bloc de l'Ouest. Donc, euh, c'est la vitrine du socialisme. C'est le pays le plus développé économiquement. Quand les, les soldats soviétiques découvraient la RDA, ils avaient l'impression d'être euh, dans, un, dans un pays euh, très luxueux, en tout cas beaucoup plus riche que l'Union euh, soviétique. Donc c'est le pays certainement le plus développé euh, économiquement, donc le plus puissant, le plus riche. Euh, ça se voit aussi euh, au niveau des euh, de, de, des services de, de police politique. Euh, L'Albanie avait le, le, avec le KGB le budget le plus, le plus important. Et donc pour terminer, c'est le plus marxiste, le plus riche, le plus développé et le plus contrôlé. Euh, je crois qu'avec l'Albanie en termes de, de, de nombre de, de, de policiers par, par, par habitant. Euh, on a là un quadrillage très étroit de la, de, de, de la société. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, c'est intéressant évidemment toujours de, de, de sortir simplement d'un regard centré sur la RDA et de comparer la RDA avec euh, la Pologne, la Hongrie, euh, la, la, la Tchécoslovaquie, puisque le pays le plus proche sociologiquement et économiquement, ça serait la Tchécoslovaquie, euh, qui est d'ailleurs un peu plus prospère que la RDA au début des années 50. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a il n'y a pas de révolte en Tchécoslovaquie. Hein. Si vous regardez, il faut attendre 68. Il bon, y, y, y a un mouvement ouvrier de protestation en 1953, mais il est euh, très rapidement contrôlé. Euh, mais la Tchécoslovaquie ne se révolte pas avant 68 euh, d'un point de vue sociétal. Euh, c'est parce que les conditions matérielles sont excellentes en Tchécoslovaquie, et donc le communisme aussi mieux, mieux accepté euh, que qu'en RDA. Mais après 68, la RDA, c'est le meilleur élève de l'Union soviétique, et c'est le pays le plus développé du bloc, euh, du bloc de l'Est. La, la deuxième question. Euh, elle portait sur la Yougoslavie. Alors, ils pouvaient aussi partir en Yougoslavie. Et euh, ça inquiétait drôlement euh, la Stasi, puisque, plus on, enfin, avec la fin de la politique des visas, la euh, euh, elle, elle avait une formule. Elle voulait boucher les trous au niveau des, des frontières. C'est-à-dire que euh, si vous autorisez les Allemands de l'Est à aller en vacances en Bulgarie, sur la mer Noire, ou en Hongrie, ou en Yougoslavie, il euh, y a des risques que certains profitent de, des aéroports internationaux ou de certaines possibilités sur des, des zones frontalières un peu moins bien gardées, pour passer à l'ouest. Ça, c'était la hantise de l'Achtazi. Donc, ils vont multiplier les accords de coopération avec les polices politiques du bloc de l'Est pour avoir sur place des officiers bulgares, yougoslaves ou, euh, ou, ou tchèques ou hongrois qui surveillent leurs ouailles. Euh, les voyages collectifs, de toute ont été encadrés avec des agents de qui infiltraient les, les, les encadrants touristiques. Et euh, le problème avec la Yougoslavie, c'est que comme la Yougoslavie était euh, un peu à part dans le bloc de l'Est, la RDA a essayé de négocier euh, ce type de coopération, euh, mais ça n'a pas abouti. Euh, ça n'a pas abouti parce que, justement, la, la Yougoslavie voulait bien montrer qu'elle euh, ne s'alignait pas sur euh, le, le marxisme-léninisme est-allemand et sur le, le, cette forme de tchékisme de l'Astasie. De, de Alors, il n'y a pas eu de coopération... N'empêche que quand les Yougoslaves arrêtaient à la frontière des Allemands de l'Est qui essayaient de passer la frontière, euh, ils les mettaient en prison et, euh, et ils, les renvoyaient, euh, ils les renvoyaient quand même euh, en RDA, même sans accord de, 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 co de coopération. C'était un vrai enjeu, hein, le, notamment avec le développement du, euh, des aéroports internationaux. Euh, vous aviez, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Varna, c'est en Bulgarie, c'est sur la, la mer Noire. Il y avait des flots de touristes ouest-allemands qui arrivaient aussi via l'aéroport de Varna. Et il y avait des, des petits groupes de, de passeurs, en fait, ouest-allemands, qui organisaient des changements d'identité dans les toilettes des aéroports pour permettre à des Allemands de l'Est de changer de vêtements, de changer de papier, de monter dans un avion et euh, de repartir euh, de Bulgarie euh, pour aller en RFA et donc quitter la RDA et donc fuir euh, la dictature. Ça a marché euh, un certain nombre de fois, ce qui a conduit la RDA à venir en Bulgarie et euh, la Stasi, elle a... Euh, Reconfigurer la surveillance et le contrôle de l'aéroport de Varna, puisqu'elle estimait que les Bulgares n'étaient pas assez bien ou pas assez bien dotés pour faire ces contrôles de sécurité. Et donc, c'est la Stasi qui a, en quelque sorte, stasifié l'aéroport de Varna, ce qui vous montre un peu l'importance, en fait, de cette, de cette antise de la mobilité des Allemands de l'Est avec le développement du tourisme. Oui, d'abord, merci, parce que j'ai. J'ai trouvé votre conférence tout à fait passionnante. D'abord, j'ai appris pas mal de choses. Ce que je voulais souligner, c'est une histoire que vous avez racontée, mais que je trouve d'une actualité brûlante, voire explosive. Vous avez prononcé des mots de néolibéralisme, de totalitarisme et de, de désenchantement. Au moment où le désenchantement gagne les sociétés occidentales, et je crois l'ensemble des sociétés occidentales, vous avez un Vladimir Poutine qui en même temps réécrit l'histoire et dessine un nouvel avenir pour la Grande-Russie. Donc euh, voilà. Et, et puis euh, il y a le Donbass. Hein. Le Donbass qui était la, la grande région industrielle de, de l'Ukraine. Oui, je crois qu'en En fait, on a très très peu de temps, voilà. monsieur. Est-ce que vous avez une question précise à poser à notre intervenant Mais Écoute, je lui demande s'il veut réagir à ce que... Bon, est-ce que Emmanuel Droit, vous souhaitez réagir à ça mais je, je, je veux bien réagir, c'est-à-dire qu'il euh, euh, ne faut jamais oublier que euh, alors, euh, Vladimir Poutine, il est dans une, dans une logique euh, euh, impérialiste, euh, ça c'est clair. Euh, Vladimir Poutine, c'est un tchéquiste. Euh, moi j'en ai marre d'entendre euh, à longueur de journée euh, des experts nous dire que euh, ce type est malade, qu'enfermé euh, dans son Kremlin, euh, il ne comprend rien, il est détaché du réel, ce n'est pas vrai. Euh, c'est un tchéquiste, un tchéquiste, c'est un homme d'action. Donc c'est pas un homme qui, euh, qui blablate, comme disaient les... Moi, je le vois dans mes archives. Hein, les, les, les tchéquistes se, se plaignent des hommes politiques qui passent leur temps à, à discuter. Vladimir Poutine, bah, vous l'avez vu euh, dès le début de, de son mandat comme, euh, comme Premier ministre, quand il disait qu'il allait chercher les terroristes jusque dans les chiottes. Euh, c'est un homme d'action. Donc c'est un tchéquiste. Il faut pas sous-estimer cette dimension-là. Euh, et l'autre dimension, c'est que le néolibéralisme... Euh, il a frappé d'abord euh, la Pologne, euh, l'Allemagne orientale, la Russie post-soviétique avec une, une dureté et une violence et un chaos euh, sans nom. Et que euh, euh, ces, ces rêves de revanche et d'humiliation, ces instrumentalisations de l'histoire, euh, elles ont en partie lié à une forme de, de responsabilité euh, occidentale. Alors je ne vais pas vous parler de l'extension de l'OTAN, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est de montrer qu'il euh, euh, y a certaines formes de, de capitalisme qui ont désintégré complètement le, le tissu de ces, de ces sociétés. Et euh, quand vous avez des... des, euh, des, des je reprends l'expression d'Empoli, de, 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 euh, quand vous avez des mages au Kremlin qui, euh, qui sont capables en effet euh, de, de reconstituer une unité autour du nationalisme et d'un projet euh, impérialiste, euh, bah, ça donne ce que ça donne au, au Donbass en fait. Euh, et euh, et ça, 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 ça viole la souveraineté de l'Ukraine. Euh, au nom euh, d'origine historique euh, russe qui, qui serait dans la russe qui est vienne. Donc euh, ne jamais oublier que euh, la configuration socio-économique, euh, euh, notamment euh, ce, ce, ce renversement néolibéral, pour reprendre l'expression d'Alain Supplot depuis le début des années 70, euh, il fonctionne comme un train qui, euh, qui va d'Est en Ouest. En fait. On parle toujours de ce grand récit avec euh, l'introduction du néolibéralisme par euh, Thatcher et Reagan. Euh, C'est en partie vrai, mais euh, euh, en tout cas, l'Europe de l'Ouest, elle, euh, elle a vu le néolibéralisme arriver par l'Est avec une, une, une pression euh, à partir des années 90 sur le marché du travail. Euh, et elle n'a pas vu, en fait, les effets socio-économiques ravageurs de ce néolibéralisme dans ces, dans ces pays post-socialistes. Voilà, ben voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu encore poser plein de questions, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, euh, merci à vous et puis merci à Emmanuel Droit. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez découvrir son livre, il sera en vente à la sortie. Merci et à bientôt. Merci à vous et puis bonne soirée. Puis je peux que vous encourager à regarder ce film Barbara de Christian Petzold. Merci beaucoup.